eau libre, le waterpolo, la synchro, le plongeon. Donc c'est une bonne chose de pouvoir communiquer sur tous les sports. Arrête, on va devoir la refaire et tout après. Non, c'est pas grave, je prends tout. Ah bah viens faire faire le con alors, mettons. On, on se déshabille alors. On peut pas faire un essai? Vas-y. Si, vas-y, si. Ah ouais, comment ça? Il y a du bruit. C'est bon? C'est super facile. On a essayé d'être le plus... de faire des choses le plus ludiques possible. Attends, ça va, tu vas la couper. On a essayé de faire des choses ludiques et ça a plutôt bien marché, ils sont bien amusés. Qu'est-ce que t'as pensé de ton choix de l'atelier pour toi, le plongeon? Ben, le plongeon, c'est quelque chose d'essentiel dans la natation. Et donc voilà, j'ai fait de mon mieux pour leur apprendre les petits trucs pour qu'ils progressent et pour qu'ils soient meilleurs. Et c'est un atelier très sympa et où ils ont beaucoup rigolé. Bon, je sais plus ce que je disais. Donc ils sont ici. Il y aurait les femmes. Là, t'avais quelques mecs. Ouais. Bon, la course est arrivée. Ah, t'as qu'à me filmer à poil aussi, toi. Ah, je l'ai vu. C'est du sport, donc ça demande quand même une hydratation un petit peu plus importante. Voilà, bon, ben on recommence. Et après, dans un deuxième temps, pourquoi pas créer des vocations et trouver les champions de demain. Pour toi qui aimes le collectif, est-ce que t'as senti les petits qui étaient... Il y a un bêtisier là, obligé. L'ensemble des entraîneurs français et des entraîneurs nationaux ont participé à cette manifestation. Viens, on a un retour par insupportable. Comme vous pouvez voir, il y a une très bonne ambiance dans l'équipe. Je ne sais pas si t'as encore, si t'as déjà abordé le sujet avec le nouveau DTM, Jacques Favre. Est-ce qu'il y avait pour l'instant donc la démarche entamée? Putain, on va pas y arriver. Là c'est moi, là c'est moi. C'est dur. C'est vachement dur. Oh là là. C'est bon. Ouais, c'est bon. On a enlevé le chewing-gum. Non, on ne l'a pas. Je le sépare à la fenêtre. C'est pas bien. Entamé avec Lionel est toujours d'actualité. Arrête.